Edgar Machado, gardien de la côte. Maintenant, le prochain tournoi va être à Lausanne, c'est près de vous. C'est beaucoup de choix pour vous. Bah écoutez, c'est un choix qu'on va, on va essayer de faire au mieux là-bas. On est face à notre public, on aura des supporters, des sponsors et tout, qui sont là. Alors on va faire, je pense, deux grands matchs, on va essayer de faire deux grands matchs. L'équipe, tu vois, on s'améliore de plus en plus. Les buts, les victoires, là, on vient de gagner, ils commencent à venir. Alors je pense qu'à Lausanne, on va faire un grand tournoi. Alors vous allez faire de marketing aussi un peu pour que les gens viennent? Oui, on va essayer de faire un petit peu de marketing parce que c'est chez nous à Lausanne. Donc en tant que beau, c'est un peu inconnu ce sport, donc on a un peu de peine à faire venir les sponsors, à nous appuyer et tout ça, puis on va jouer une grande carte là-dessus pour essayer d'avoir des sponsors pour le futur, pour la saison prochaine. Et Lausanne Sport dans le foot et aussi dans Super League maintenant, peut-être un peu un vague de foot maintenant en Lausanne. Ah, espérons, c'est magnifique, Lausanne qui remonte, c'est un peu plus loin Servette qui remonte en Ligue Nationale là aussi. Je pense que ça va, c'est un plus pour le football dans le canton. On va essayer de suivre ce geste qui a fait Lausanne positivement. Et vous jouez contre Team Zurich et Bien Hatchets ce week-end. C'est quoi que vous espérez de cette équipe? Quel match ça serait? Écoutez, on espère deux grands matchs. On espère qu'on gagne déjà premièrement. On va tout faire pour, mais c'est deux grandes équipes. Team Zurich ont des super bons joueurs, ils jouent un peu physique, mais on sera là, on sera présent. Avec Bien, c'est des jeunes, on va essayer de miser sur notre expérience qu'on commence à avoir maintenant pour gagner ces deux matchs. Et vous personnellement, vous jouez aussi au foot comme gardien, vous êtes très bien ici au beach soccer. J'ai joué au foot en tant que gardien, maintenant j'ai arrêté depuis deux saisons et puis je me concentre surtout sur le beach soccer.